Alors j'ai le plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir aujourd'hui M. Jean-Pierre Arignon pour son livre « Une histoire de la Russie » paru aux éditions Perrin. Alors Jean-Pierre Arignon, c'est un spécialiste de la Russie, c'est un helléniste byzantinologue en fait à l'origine et spécialiste de l'histoire médiévale. Il s'est orienté ensuite vers l'histoire russe, il a publié de nombreux ouvrages à propos de l'histoire de ce pays, et il nous propose aujourd'hui, donc aux éditions Perrin, un pavé de 600 pages, mais je vous rassure tout de suite, chers téléspectateurs, un pavé qui se lit en direct, car il nous raconte d'une manière passionnée et passionnante l'histoire de cet immense pays. Alors tout d'abord, Jean-Pierre Arignon, il y a une question évidemment qui ne vous sera pas épargnée, c'est celle du titre « Une histoire de la Russie ». Est-ce qu'il faut voir dans ce titre une signification, un message particulier ? Oui, je crois qu'il faut y voir un message particulier. D'abord, celui de l'historien. Je n'ai pas le monopole de la connaissance de la Russie. Personne ne l'a. Et ce que j'ai voulu souligner en mettant cet article une, c'est que c'était la vision que moi j'ai eue de cette Russie. Et souligner très fortement qu'une grande partie de ma formation m'a été concédée par des Russes et par des Soviétiques, dont le plus illustre d'entre eux, Dmitri Sergueïevitch Ratchov, qui était professeur de littérature médiévale russe, dont je suis un élève extrêmement fidèle. Quand il est décédé, beaucoup d'amis russes m'ont dit « c'est toi maintenant ». Qui porte son héritage. Et ce livre, en quelque sorte, cette histoire de la Russie, c'est un hommage à tous mes collègues russes, soviétiques et ukrainiens qui m'ont permis d'arriver à une vision globale de ce pays que j'aime et de ce pays que je voulais étudier pour permettre à mes lecteurs de ne pas s'aventurer dans des jugements hâtifs, mais de comprendre ce pays, de le mieux connaître, pour essayer ensuite de déterminer un jugement. Oui, car le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en matière de Russie, c'est souvent l'ignorance qui prévaut, notamment dans toute la sphère médiatique, où l'on se contente de répéter un certain nombre de banalités et d'idées reçues, alors que l'histoire de la Russie est beaucoup plus complexe que ce que l'on veut bien nous présenter. C'est pas quelque chose d'absolument nouveau d'ailleurs, hein. On se souvient au 19e siècle ce qu'a pu écrire Custine sur la Russie, hein, leur roi Beaulieu, et tout cela donnant de la Russie une image tout à fait négative, il faut bien le dire, hein, d'un pays arriéré, d'un pays qui était encore soumis à un régime politique archaïque, anachronique, etc. Alors qu'en fait, nous savons aujourd'hui, et je renvoie au livre de Vladimir Berelovitch, que le 19e siècle notamment, auquel vous accordez une place considérable, ce 19e siècle, c'est le grand siècle russe. C'est le grand siècle russe, c'est le siècle d'or. Voilà, et pas du tout cette période présentée comme complètement barbare, archaïque. La Russie est entrée dans l'Europe, en quelque sorte, de manière déterminée à travers les règnes des grands souverains éclairés du 18e siècle, hein, de Pierre le Grand à Catherine, et elle fait partie à tous égards de cet ensemble de la civilisation européenne. Elle en est la branche orientale, inspirée notamment par l'orthodoxie. Bien sûr. Alors ça, c'est un point sur lequel vous insistez. Cette identité russe qui se forge au fil du temps, elle doit beaucoup à la tradition orthodoxe qui lui vient de Byzance. – Alors ça, je crois que c'est un élément capital. J'ai même été amené parfois à écrire que sans la connaissance de Byzance, on ne peut pas comprendre la Russie. Et on ne peut pas la comprendre pourquoi. La Russie est née tardivement. Elle apparaît, disons, au Xe siècle. Xe siècle, oui. C'est gros, le Xe siècle. Et là, cette Russie… – Au moment de sa conversion. – Au moment de sa conversion. Et puis de l'acquisition de sa langue. Et elle va hériter de Byzance.
Et elle se situe dans ce que Hélène Arveler a appelé les passages. Mmh. Rome, Constantinople, Constantinople, Kiev, Kiev, Moscou. Vous avez là des transferts culturels et des transferts de civilisation. Et donc, pour les Russes, Byzance est l'héritage. Elle se sent héritière de Byzance. Héritière par sa langue, héritière par sa culture, héritière par son pouvoir également, avec ce concept de symphonia. C'est-à-dire que le bien des peuples résulte du fait que le religieux et le politique s'expriment d'une même voix. C'est ça, la symphonia. Et ils ont, en quelque sorte, assimilé ce concept. Alors, ce qui est important de voir, c'est que cet héritage s'est développé, et c'est ce qui va la différencier de l'Occident, s'est développé dans un espace qu'on peut qualifier d'espace russe, qui est un espace multiethnique, multireligieux, où il y avait des musulmans, où il y a des bouddhistes, des catholiques aussi, des protestants même. Et donc, par conséquent, le concept de symphonia devient très important, car c'est lui qui permet de souder ces éléments de foi à la création et à la diffusion d'une nation commune. Et c'est cette nation commune que porte aujourd'hui le président Poutine, en donnant à chacun de ces tendances l'occasion de s'exprimer, l'occasion de fonctionner, mais pour la construction d'une nation cohérente. Cette cohérence de la Russie, elle vient de là. Alors cette genèse très particulière de la nation russe ou de l'empire russe tel que nous l'avons connu, il y a évidemment l'énorme hiatus que constitue la rupture de 1917. Il y a cette révolution soviétique, l'illusion de la construction d'un monde nouveau annonçant les fameux lendemains qui chantent. Les Russes d'aujourd'hui, ils ont conscience donc de cet héritage byzantin, mais comment interprète-t-il cette séquence révolutionnaire qui s'est étalée sur plusieurs décennies, qui a été perçue comme un modèle par une partie de la planète? C'est une question très, très importante pour bien comprendre ce qu'est la Russie d'aujourd'hui, y compris pour des gens qui étaient farouchement hostiles à l'Union soviétique parce qu'elle incarnait une idéologie, etc., et qui aujourd'hui éprouve une grande sympathie pour la Russie telle qu'elle se présente à travers la résurrection, on peut dire, qui a été la sienne au tournant de ce millénaire. Alors, en 1917, s'est produit un phénomène qui est assez cocasse. Le pouvoir soviétique avait adopté le calendrier grégorien. La révolution arrive. L'Église, dans un premier temps, veut se couler dans le calendrier grégorien. Mais elle a estimé que c'était dangereux, car c'était validé en quelque sorte le pouvoir soviétique. Et donc elle a gardé le calendrier julien. Oui. Ce qui fait que les grandes fêtes orthodoxes et chrétiennes, les grandes fêtes chrétiennes, disons, catholiques et orthodoxes, restent décalées les unes par rapport aux autres. Et donc, pour bien souligner que la Russie, en 1917, retrouvait son passé antérieur jusque dans sa vision du temps. Et c'était une façon de rejeter le monde communiste dont il venait tout juste, évidemment, de sortir. Et ça, c'est très important. Et l'Église a joué, là, dans la période de, disons, moins de 1917, mais dans la période des années
1990-80, elle a joué un rôle clé. L'Église est apparue en Russie comme un recours. Elle est apparue comme un recours parce que le pays était mis à l'encan. C'est-à-dire que lorsque vous achetiez un litre de lait en Russie, bon, il y avait un petit bon à détacher que vous renvoyiez et vous, en retour, vous receviez une Bible des évangélistes. Et c'était systématique. Et elle voyait son pays, son identité s'en aller, et il ne lui restait plus debout qu'une seule identité, ses églises, les orthodoxes, sa culture, l'orthodoxie. Et l'orthodoxie, là, est née dans des conditions, est renaît de ses cendres, dans ces traditions particulières qui permet à un père de transmettre son rôle de pope à son fils, c'est-à-dire une transmission directe sans qu'il y ait passage nécessaire par un séminaire, ce qui est évidemment un temps bref de reconstruction. Et il faut bien dire que la réappropriation de la Russie par, on pourrait, parce qu'on peut dire les orthodoxes d'une part, mais aussi tous les démocrates qui voulaient construire le pays, eh bien, ils se sont associés pour redonner à ce pays une dignité. Dignité d'abord culturelle. Nous sommes un grand pays, nous avons un art, nous avons une foi, nous avons des églises qui en témoignent. Et ça a été un élément majeur de la recomposition de ce pays et de l'épanouissement qui a suivi. Alors avec un risque que beaucoup de gens craignent aujourd'hui. Le risque est le suivant, la collusion entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux est toujours à haut risque, généralement pour l'Église. Mais on dit, regardez ce qui se passe en Pologne, où la collusion entre l'Église catholique polonaise et le pouvoir politique polonais aujourd'hui semble se retourner contre l'Église polonaise. Mais les gens oublient ce qui est essentiel, c'est que la Russie est dans un cadre homogène territorial. C'est une territorialité du monde slave orthodoxe. Dans le monde polonais occidental, c'est dans le cadre de la Roma Pontifica. Oui, et donc un autre, c'est un autre. La dépendance à Rome, c'est un autre, espace. Oui. Et donc par conséquent, il y a là pas de mesure. Ouais. Mais il faut bien rendre à César ce qui est à César, c'est l'Église russe qui a essayé de redresser ce pays après cette chute dont on ne peut pas imaginer l'impact du communisme. Car ces gens-là ont cru au communisme. Ils ont cru jusqu'au bout, jusqu'en 91. Ils ont cru pouvoir le réformer. Toutes vous voulez dire les dirigeants communistes comme les Gorbatchev. Dirigeants communistes, les ouvriers, les peuples communistes. Et car il y avait un peuple communiste, croyaient pouvoir restructurer le pays, le reprendre en main, relancer la machine, refaire vivre l'idéal communiste, celui de la Deuxième Internationale, celui de la fameuse Tourtatine. Mais ils ne l'ont pas fait, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils ont buté à chaque moment sur la prépotence absolue que le parti communiste voulait exercer. C'est le parti communiste qui a tué le système. Il n'a pas, il a jamais voulu accepter la moindre réforme. Un homme comme Brejnev, que la tradition historiographique française a méprise en disant l'homme du Zastoy, c'est-à-dire d'endormissement, c'est celui qui a créé le plus d'universités. C'est celui qui a introduit la comptabilité quantique dans les entreprises. Donc vous voyez toutes ces démarches qui étaient impulsées de la base pour essayer de reprendre en main l'économie, de reprendre en main la magie
et on butait toujours en haut sur un PC omnipotent qui disait non systématiquement. Parce que dès les années 60, il y avait des théories aussi ou des tentatives de réforme de l'entreprise aussi qui avaient été présentées comme assez porteuses pour l'avenir et puis tout ça. Tout ça a été brisé. Dans le livre, j'explique, je montre toutes ces. Et j'insiste peut-être un peu beaucoup sur ces tentatives de reconstruction. Comment ces gens-là ont essayé d'apporter des idées neuves, et de les mettre en place et de dire. On pourra faire revivre un communisme qui aura in fine une autre facture, mais qui sera toujours dans l'esprit du socialisme. Et le Parti communiste a bloqué. Et quelle place peut-on donner là, dans cette affaire-là, à la figure d'un Andropov qui va disparaître rapidement, parce qu'il va mourir de maladie, mais qui était peut-être porteur d'une réforme ou d'une volonté de réforme qui aurait pu changer le système sans qu'il y ait au bout du compte l'effondrement qui est survenu. Andropov, d'abord, il faut dire, c'est un homme qui est extrêmement apprécié dans la mémoire. Est apprécié et reconnu en Russie, à la différence de celle de Gorbatchev. Et Andropov, c'est l'homme qui a inventé les deux mots, perestroïka. C'est lui. Perestroïka et glasnost. Et glasnost. C'est Andropov qui les a inventés, et c'est Gorbatchev qui les a popularisés. Mais c'est Andropov. Andropov a eu le mérite de faire procéder à un audit général. De la situation de la Russie. Et avant qu'il ne meure, il s'est rendu compte que le pays était passé d'une économie réelle à une économie virtuelle. Et le responsable de ça, parce qu'il y a un responsable de ça, c'est Khrushchev. Khrushchev qui a commis l'énorme contresens politique en détruisant le Gosplan, qu'il a régionalisé et qui a fait que chaque usine voulait obtenir des vacances pour ses ouvriers, donc on gonflait artificiellement les chiffres et on finissait par payer des usines qui n'existent pas. Une économie devenue imaginaire. Complètement imaginaire. Et il l'a très très bien, Andropov s'en est très très bien rendu compte. Et il a voulu frapper fort. Il a fait arrêter tout le parti communiste ouzbek, tous les ouzbeks qui étaient à Moscou, qui s'étaient partagés le marché de la ville. Et toutes ces arrestations ont été balayées avec l'arrivée de qui ? De Gorbatchev. Gorbatchev, lui, a libéré tout le monde. On est reparti dans un autre sens. Et donc, par conséquent, Andropov a été perçu comme un homme qui avait probablement une vision juste. S'il avait eu du temps, s'il aurait fallu voir temps, c'est ça. Ce que ça aurait donné. Disparu trop rapidement. Mais disparu trop vite, puisque un an et demi au pouvoir, c'est tout, Andropov. Bien sûr. Et alors, dans cette perspective de relecture de l'histoire récente, quelle est la place donc les Russes d'aujourd'hui, c'est un grand débat ça, accordent à Staline et à la période stalinienne. Parce que Staline, il incarne d'un certain côté, d'un certain aspect, les crimes du communisme. Et puis en même temps, c'est aussi le chef de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Quelle est la part des choses à son sujet après la déstalinisation décidée dans les années 60, après les révélations de Solzhenitsyn concernant le monde du goulag, etc. Alors, vis-à-vis de Staline, on peut dire que les Russes gardent de lui une image privilégiée. L'image privilégiée, en dépit du goulag, en dépit des purges, en dépit d'une conduite dramatique des affaires pour la population russe qui ont été si bien mises en exergue et bien connues maintenant grâce au très beau travail de Nicolas Werth. On connaît bien le travail intérieur. Je crois que Staline est resté, c'est le vainqueur du nazisme. Et ce vainqueur du nazisme,
on ne pourra jamais l'enlever du cœur des Russes. C'est très patent. J'étais à Volgograd. Je venais de l'ancienne Stalingrad. Oui, voilà. Pour nos, jeunes, Stalingrad, pour nos jeunes auditeurs. L'ancienne Stalingrad. J'étais dans le feu qu'on dit, à l'endroit où brûle la flamme éternelle, et j'étais déposé, enfin, ma rose, dans ce grand sanctuaire de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, ensuite, on me dit, mais vous avez un très très beau musée militaire qui domine la colline de Mamaï, parce que c'est sous la colline de Mamaï. Vous, vous allez prendre l'escalier, vous montez, et vous pourrez voir ce musée des armes de la Deuxième Guerre mondiale, en gros. Alors, me voilà engagé sur la route, et puis bon, ça se passe très bien. Lorsque je vois arriver des écoles, deux ou trois écoles, avec leurs maîtres, des petits-enfants qui étaient des petits, hein, qui avaient de l'âge de 6-10 ans, quoi, dans cette tranche d'âge-là. Et ils piaillaient, ils s'amusaient, ils rigolaient, ils regardaient les matériels de guerre. Et puis d'un seul coup, je les vois tous se précipiter vers un char d'assaut, vers un T-34. Tiens, je dis, c'est curieux, il y a 40 T-34 alignés, ils sont tous sur celui-là. Alors je les laisse faire leurs photos, s'amuser un peu, et partir voir ailleurs. Et je vais voir quelle est la spécificité de ce char. Ben, elle est claire, la spécificité de ce char, il avait un nom, il s'appelait Staline. Mmh. Et donc, on ne pourra jamais enlever aux Russes cette volonté, de cette victoire qu'a portée Staline contre le nazisme. C'est l'homme qui a vaincu le nazisme. Alors, pourquoi ils y sont-ils attachés? Ils y sont tellement attachés pour deux raisons. C'est que les drames intérieurs, le goulag, les purges, ces violences permanentes, cette peur institutionnalisée, pas carrément, il n'y a aucune famille russe qui n'y a échappé. Tous dans les familles russes, il y a un membre qui a été arrêté, expulsé, qui est mort dans ce goulag. Mais c'est perçu comme une fatalité de la lutte, une sorte de contre-coup. Et la lutte justifie tout. Et c'est sans ce jeu-là que se fait le rapport à Staline. Et le rapport à Staline augmente encore aujourd'hui par la volonté des Occidentaux qui remettent en cause la victoire et le rôle des Soviétiques dans la victoire en Occident, pour lesquels, si l'on en croit très souvent les fêtes commémoratives, on avait quand même oublié pour le débarquement d'inviter les Russes, de les marginaliser autant que faire se peut dans toutes les manifestations. Eh bien, le résultat, c'est que Staline grandit à l'image des Russes. Eh bien, ils pourront faire tout ce qu'ils voudront, ils ne pourront jamais abattre Staline. Mmh. Et voyez, c'est ça qui est important. Et je me réjouis, permettez-moi simplement un mot, je me réjouis de la belle initiative de Vladimir Poutine. Initiative de créer un centre d'études de la Deuxième Guerre mondiale à Saint-Pétersbourg, je crois qu'il veut le mettre, qui serait, à cause de ça, un centre d'études dans lequel tous les pays qui le souhaiteraient, les Russes les premiers, mettraient ce qu'ils ont conservé, leurs traces, l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale, et des documents, des livres et des bibliothèques, pour permettre à des chercheurs du monde entier de venir travailler la question, de venir faire des études et avoir une connaissance plus approfondie de ce pays. Car je crois qu'aujourd'hui, il faut retourner vers le vrai savoir,
c'est-à-dire celui qui émane du monde universitaire, du monde de la recherche, et non pas du monde des médias. Et alors, dans ce contexte bien particulier où l'on voit la place que détient l'histoire, que penser des travaux de l'association Mémorial, qui se penche justement sur l'histoire de la répression stalinienne, du goulag, etc. Dans la presse occidentale, on la présente comme victime des pressions ou du harcèlement du pouvoir russe d'aujourd'hui. Alors, d'abord, il faut rendre un très grand hommage à cette association Mémorial qui a joué un rôle décisif, il n'y a pas, dans le travail de relever les noms de tous ceux qui étaient allés, qui malheureusement, au goulag. Ils ont été des pionniers, ils l'ont fait dans des conditions dramatiques, ils l'ont fait dans des situations difficiles. Alors maintenant, cette association est souvent effectivement présentée par les médias comme menacée, comme enquêtée, faisant l'objet d'enquêtes. Sa représentante était, dans les émissions qui viennent de passer sur le goulag, là, elle était toujours avec Nicolas Werth. Oui. Et à aucun moment, cette dame n'a fait état de ces pressions que le gouvernement exercerait sur elle, sauf pour dire une chose que les médias n'ont pas relevée. C'est que le président Poutine vient de créer un centre, un énorme centre de Mémorial, où seront là rassemblés le travail qu'ils ont fait dans un véritable musée digne de ce nom. Moi, j'ai visité le musée primitif de Mémorial, des petites chambres, des pièces qu'ils avaient récupérées, qui étaient exposées. Maintenant, ils ont un très très vaste musée en plein Moscou, qui est digne de ce nom, qui a les moyens de fonctionner. Et je crois que Mémorial a sa place, car n'oubliez jamais que Poutine n'a jamais condamné ni acquitté Staline. Il ne s'est jamais prononcé sur Staline. Et donc, par conséquent, il donne la place à ceux qui travaillent pour une meilleure connaissance de l'histoire. Et ces deux initiatives, vous voyez, sont pour moi de grande qualité. Personne n'en a parlé dans les médias. Merci beaucoup Jean-Pierre Arignon pour tous ces éclairages précieux concernant surtout l'histoire de la Russie contemporaine, et votre ouvrage traite de toute l'histoire de la Russie évidemment. Je rappelle qu'il est publié aux éditions Perrin, donc Jean-Pierre Arignon, Une histoire de la Russie. Merci beaucoup. –